Previously on Lost. Salutations! Lors du dernier épisode sur la rougelée, je vous avais demandé de voter pour le thème de la prochaine fois et vous avez choisi Écho. Je vous propose alors aujourd'hui de nous pencher sur une interrogation, un mystère bien particulier. Écho était-il un candidat? Dans la deuxième saison de Lost qu'apparaît Echo Tund, interprété par Ada Wale, qui fera au passage bien plus que l'interpréter. L'acteur est à ce moment-là enthousiasmé par la série, motivé et surtout inspiré. En effet, le caractère du personnage, l'idée de gravure de la Bible sur son bâton, sa personnalité et même son nom, tout ça, eh bien ça vient d'Ada Wale. Lindelof et Hughes voient en ce personnage et même en l'acteur un destin bien particulier, s'étalant jusqu'à la cinquième saison. Le but derrière la création de ce personnage, découvrir l'île sous un angle spirituel et magique. L'épisode Psaume 23 centré sur Echo sera nominé au Saturn Award de 2006 comme meilleur scénario de série dramatique et Ada Wale sera lui nominé comme meilleur acteur secondaire dans une série. La saison 2 de Lost remporte même le titre de meilleure distribution pour une série dramatique de Screen Actors Guild Awards. Le titre de meilleure série dramatique par Writers Guild of America Awards, ainsi que le meilleur aboutissement dans une série dramatique chez les Television Critics Association Awards. Tout, absolument tout, semble aller pour le mieux pour l'acteur et son futur dans la série. Mais derrière les apparences, Ada Wale vit mal. Le tournage à Hawaï, loin de sa famille, est éprouvant. D'ailleurs, il ne se fera pas trop d'amis là-bas, préférant ne pas parler en dehors des scènes, pour garder l'accent nigérien. Tout bascule pour Lindelof dans la saison 3. En plus de perdre Dominic Monaghan, interprète de Charlie, qui veut quitter la série, Ada Wale perd tragiquement ses parents. Lindelof fait tout pour garder Echo dans la série le plus longtemps possible, mais l'acteur n'en peut plus. Ils conviennent alors d'un accord ensemble, Echo mourra en début de saison 3. 3 ans plus tard, l'acteur va mieux, et touché par le fait que les fans ne l'aient pas oublié, demande au showrunner de revenir dans la saison 6 et de retrouver son rôle, mi-principal, mi-secondaire. Malheureusement, ils lui répondent que ce n'est pas possible, mais qu'ils aimeraient l'avoir tout de même dans le dernier acte des Flash Sideways, un petit caméo. L'acteur demande alors une somme 5 fois plus élevée que l'équipe lui propose, équipe qui ne pourra malheureusement pas le payer, ayant déjà dépensé une somme colossale pour faire revenir Maggie Grace, interprète de Shannon. Bon, tout ça pour dire que le personnage avait un potentiel, un destin bien particulier qui ne verra malheureusement jamais le jour. Mais était-il un candidat de Jacob ? Grand débat qui fait rage depuis des années entre les Losties et qui commence toujours par le fameux paradoxe d'Echo. Si Echo était un candidat, comment le monstre a-t-il pu alors le tuer dans la saison 3 ? Mais si Echo n'était pas un candidat, pourquoi le monstre ne l'a-t-il pas tué lors de la saison 2 ? Essayons d'y répondre. Premièrement, Echo n'est pas un candidat. Il y a un Echo barré dans le phare, oui, mais où ne sont marqués qu'uniquement les noms de famille. Or, Echo est son prénom, il s'agirait en fait de quelqu'un d'autre. Et même si ce Echo devait réellement se référer à notre Echo, Lost Encyclopedia précise que ce ne sont pas les noms des candidats dans le phare, mais les noms de potentiels candidats. De plus, il ne peut pas être un candidat car il a été tué par le monstre qui ne peut pas tuer les candidats. Il a d'ailleurs bien trop de sang sur les mains pour devenir le protecteur tant rêvé de Jacob. Enfin, si le monstre ne l'a pas tué dans la saison 2, c'était probablement car il cherchait à ce moment-là la fameuse faille et pensait que le corps d'Echo pourrait être sa stratégie pour arriver à Jacob. Plus tard, il décida que ce serait Locke et tua alors Echo qui ne lui servait plus à rien. Maintenant, eh bien, voyons la théorie opposée. Echo est un candidat. Même si le Echo du phare ne se réfère pas à notre Echo, Lost Encyclopedia suggère que son nom de famille, Tund, est un faux nom. Son réel nom serait alors parmi tous les autres sans que nous le sachions. Le fait que le monstre ne s'attaque pas à lui dans la saison 2 est une preuve irréfutable. Jacob a d'ailleurs rayé le nom de Kate quand elle est devenue mère.
Echo aurait alors fait quelque chose sur l'île, l'empêchant de devenir un candidat. Et c'est après cette action, et uniquement après cette action, que la fumée noire a pu le tuer dans la saison 3. Saïd a d'ailleurs beaucoup de sang sur les mains, et est lui pourtant bel et bien un candidat. Alors, qui a raison ? Difficile à dire. Alors, je vais vous dire ce que moi j'en pense, personnellement, et peut-être qu'on pourrait relancer ce débat dans une prochaine vidéo sur Echo avec vos commentaires et tout ça. Je précise bien sûr que je n'ai pas la science infuse et que beaucoup de personnes ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Allons-y. Donc moi, j'aime penser que Echo était un candidat. Les réalisateurs ont créé un personnage pour aborder les aspects spirituels de l'île, les aspects mystiques. Peut-être était-il destiné à devenir le gardien à la place de Hurley. Mais alors pourquoi la fumée noire a-t-elle pu le tuer ? Eh bien j'ai ma petite idée, et pour cela, on doit revenir aux paroles de Jacob dans l'avant-dernier épisode où il explique à nos héros pourquoi ils ont été choisis. I chose you because you were like me. You were all alone. You were all looking for something that you couldn't find out there. I chose you because you needed this place as much as it needed you. Les candidats sont choisis car ils ressemblent à Jacob. Ils souffrent pour une raison, ils cherchent des réponses à leur vie qu'ils ne trouvaient pas. Or, peu avant sa mort, écoutez ce que Echo a à dire. I ask for no forgiveness, Father. For I have not sinned. I am not sorry for this. I am proud of this. I did not ask for the life that I was given. But it was given nonetheless. And with it, I did my best. À ce moment-là, Echo ne se repentit pas. Il accepte enfin son existence. Il est prêt à vivre sa vie sans se tourmenter, sans se torturer, tel un nouveau départ. À ce moment précis, Echo ne peut plus faire partie des candidats car il ne souffre plus. Il a trouvé la chose qui lui manquait, et je pense que c'est pour cela que le monstre peut enfin le tuer. Mais cette scène, en fait, est très intéressante même pour l'autre point de vue. En effet, l'homme en noir, à ce moment-là, comprendrait qu'il ne peut pas utiliser Echo pour tuer Jacob et décide alors de s'en débarrasser. On en revient toujours au même. Impossible de prouver qu'Echo était un candidat ou de prouver qu'il n'en était pas un. Mais me voici en train de réaliser quelque chose. Echo meurt à la saison 3. Or, c'est durant la création de cette saison qu'ABC commandera les saisons 4, 5 et 6 avec un nombre défini d'épisodes, les showrunners ayant à présent une idée de la fin. Donc, autant les deux premières saisons, l'aventure à l'aveuglette, en est une aussi pour Abrams, Lindelof et Hughes, autant la saison 3, elle, est écrite en pensant déjà plus ou moins à la fin de Lost. Alors imaginez qu'Ade Whale ne soit jamais parti. Lindelof le voulait jusqu'à la saison 5, on est d'accord. Et qui meurt dans la saison 5 ? Locke. Qui aurait eu une raison de mourir pour l'île à sa place ? Quel personnage aurait pu tout donner pour cet endroit qui lui a fait retrouver son frère et la paix, et qui aurait donc pu servir dans le plan du monstre ? Voyez-vous où je veux en venir ? Il y a fort à parier que si Ade Whale n'était jamais parti, c'est lui qu'on aurait vu dans le cercueil, et non Locke. Peut-être que le combat final n'aurait pas opposé Locke et Jack, mais Locke et Echo, deux combattants pour le destin de l'île. L'un pour Jacob, et l'un pour l'homme en noir. Les deux points de vue peuvent se mêler, c'est ça ce que je suis en train de dire. Oui, Echo était probablement un candidat, mais oui, à l'origine, c'était peut-être lui, la faille du monstre. Les deux ne sont pas incompatibles, car au final, c'est Locke qui deviendra la faille. Et pourtant, Locke était un candidat. Voilà, voilà. J'espère que vous donnerez votre point de vue dans les commentaires. Débat un peu compliqué, mais passionnant. Très intéressant. Merci pour votre soutien. On est 23 000 sur la chaîne. Voilà, 23, ce n'est pas un hasard. Je suis très heureux qu'on se retrouve entre Losties comme ça. C'est génial. Et donc, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas que l'île n'en a pas fini avec vous.